Comme d'habitude, on va commencer non pas en chanson mais avec un texte et puis après on passera au vif du sujet. Le texte de ce soir, on va commencer avec une des nouveautés des éditions du Chemin de Fer qui s'appelle Le jeune homme qu'on surnommait Bengali, un texte de Louis-René Desforêts. Quand j'ai entendu remuer la clé dans la serrure, je me suis levé d'un bond. Je croyais qu'il venait me chercher pour le jugement. C'était la seule pensée qui me préoccupait depuis 3 jours. Mais quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un jeune homme maintenu aux épaules par 2 surveillants. Ils l'ont poussé dans ma cellule et ils ont refermé la porte hâtivement derrière eux. Le garçon me jeta un regard traqué, puis il s'effondra sur ma paillasse, ses maigres épaules secouées par des sanglots. Mais je fis comme s'il n'existait pas et je me mis à marcher de long en large. J'étais mécontent qu'on eût rompu ma solitude, ces momeries m'agaçaient. J'avais eu toutes les peines du monde à rester d'aplomb, et ce jeune type avait déjà réussi à me démoraliser. Il se releva subitement, s'assit sur la paillasse, et approchant son visage tout contre le mien, il me demanda depuis combien de temps j'étais là-dedans. Il avait l'accent du midi, ses yeux ne me quittaient pas. Je lui dis qu'il y avait plus de 2 mois que j'attendais mon jugement, mais en réalité, il y avait tout juste 2 semaines. Il leva les mains au ciel en poussant un petit cri de désespoir, puis il courut vers la porte, qu'il secoua en soufflant très fort. Il dit qu'il allait devenir fou s'il restait seulement 1 journée entre ces 4 murs. Je répondis que j'étais entre ces 4 murs depuis 2 mois et que je me portais à merveille, un peu amaigri bien sûr, et je serrais ma ceinture d'un cran. Il me regarda avec un air horrifié. Je devais être très blanc et j'avais une barbe de 8 jours. Il courut à travers toute la cellule et s'abattit à plat ventre sur la paillasse qui lui était destinée, le visage enfoui dans ses bras croisés en poussant des soupirs bruyants. Un peu plus tard, je l'entendis se rouler dans ses couvertures et il se mit à se gratter la poitrine en geignant. Doucement, puis il resta tranquille et bientôt je l'entendis respirer avec régularité. Je l'écoutais longtemps ronfler, puis je cessais de l'écouter. Et pour changer, au lieu de chercher à me rappeler ce qui m'était arrivé dans ma vie, je pensais que ce serait divertissant de détailler 1 journée du petit Bengali. C'était là un nouveau sujet de réflexion dont je pourrais me régaler un bon moment. Mais en fait, je laissais la journée du petit Bengali de côté, pour me dire que c'était merveilleux de rester ainsi étendu, dans l'obscurité, les yeux ouverts, à imaginer que c'était certainement aussi merveilleux que de marcher à l'air libre, de danser, d'aller au spectacle, de faire un bon repas. Si nous sentions cela profondément, que chaque fois que nous restions étendus dans le noir à laisser refluer une foule de souvenirs, ou à imaginer ce que nous ferons d'agréable dans l'avenir, ou encore, comme je voulais le faire ce soir, à songer à ce que pouvait être la vie quotidienne d'un petit cultivateur du midi complètement différente de la nôtre. Peut-être passerions-nous de longues heures à rester tranquilles, comme une souche au milieu de la sotte agitation des éléments et des hommes, seulement attentifs à cueillir au passage de douces images qui nous guériraient momentanément de l'ennui solitaire. Et après tout, est-ce que je pouvais croire vraiment qu'il me tenait enfermé? Et je me sentis, tout à coup, si entièrement libre que je voulus me lever pour crier ou chanter. J'eus l'impression que je tenais dans ma tête une certaine sorte de bonheur inédit, et cela me parut si évident que les larmes me vinrent aux yeux. Elles roulaient le long de mes joues. Bonsoir. Bienvenue à cette 6e soirée de la petite édition. On accueille aujourd'hui un éditeur bourguignon, les éditions du Chemin de Fer. Alors avec nous, plein de monde. François Grosso et Renaud Bunner, j'ai bien prononcé ? Ouais. Voilà, les éditeurs. Et ils ont emmené avec eux, qui ont bien voulu jouer le jeu des soirées, 2 de leurs auteurs et 2 illustrateurs, puisque les éditions du Chemin de Fer font des livres illustrés. Donc avec nous, nous avons Denis Lachaud et Ulrika Bittner, qui ont sorti un ouvrage en 2011 qui s'appelle « L'homme inépuisable ». Le voici. Et Virginie Gauthier et Gilles Balmé, qui, c'était en 2010, je crois, ont sorti « Les zones ignorées », celui-ci. Voilà. Alors on va aborder avec eux, tout au long de la soirée, le processus de création dans cette maison d'édition un peu atypique, puisque justement, l'idée, c'est de faire se rencontrer un auteur et un metteur en image. C'est ça, oui, à chaque fois, c'est un livre à 2 voix avec... au départ un texte quand même, puisqu'on part du texte et ensuite on le propose à un plasticien qui va, alors pas vraiment illustrer, c'est pour ça que sur les couvertures c'est mis vu par, mais plutôt prolonger son travail plastique en se nourrissant du texte. C'est
ça le point de départ. Et en fait, on a commencé en 2005. On ne connaissait personne, donc on a demandé à des auteurs dont on aimait bien le travail, un texte inédit, une nouvelle, parce qu'on est sur un format relativement court pour justement lier cet équilibre entre le texte et l'image d'une part, parce que si c'est un genre qu'on aimait bien et qui, je pense, laisse beaucoup de place justement pour s'immiscer dans le texte et pour le prolonger. Parler de la nouvelle longuement, mais je pense que la nouvelle est souvent beaucoup plus proche d'un travail finalement assez poétique et donc qui laisse beaucoup plus dans ses ellipses et dans ses creux de la place que le roman tel qu'on peut le lire en général. D'accord. Vous aviez une formation dans l'édition, vous avez un lien avec le milieu de l'édition, vous avez déjà fait ce travail dans un autre cadre avant de vous lancer? Moi, j'ai malheureusement travaillé 4 ans chez Albin Michel, oui, avant de se lancer dans cette aventure. J'en étais parti en me disant que je ne travaillerais dans l'édition que pour faire des choses qui me plaisaient. C'est ça. Et Renaud, toi? Moi, pas du tout, non. J'étais plutôt du côté de la maquette et du graphisme, donc je connaissais un peu la chaîne du livre, le livre, la maquette. Et pas mal de travaux d'artistes par rapport à mon travail. Je n'étais pas du tout en émission. Je vais vous demander de parler juste un petit peu plus fort. Je crois que moi. Ou deux. Voilà. Et c'est quoi le déclencheur? Une envie commune? Un texte? Alors. Un matin? Un son? Non, en fait, le. C'est une envie commune d'abord. Oui, au départ. Au départ, c'était. Faire un truc ensemble sur. On était plutôt du côté artistique, moi plutôt passionné de littérature. Et on a commencé en fait en faisant des livres qu'on offrait plutôt à des amis, pour des anniversaires, des choses comme ça. Moi je choisissais des textes d'auteurs que j'aimais bien et Renaud faisait des images. Et le vrai déclencheur, c'est en fait une fois on en a fait un avec, sur des textes d'Henri Beauchaud. Et je l'ai envoyé à Henri Beauchaud. Qu'il trouvait le livre très beau et que si un jour on faisait une maison d'édition, il serait ravi de publier un texte avec nous. Et Beauchaud, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et il disait, dépêchez-vous parce que je suis très vieux. Voilà. C'était en 2005, il est mort que cette année. Donc finalement, donc c'était ça en fait. On en parlait, hein, mais ouais, là on s'est dit, si on commence avec un texte de Beauchaud, c'est pas mal quand même. Enfin, Et donc en noir et blanc, le recueil de Beauchaud, c'est le premier travail, c'est le premier texte sur les premiers textes sur lesquels vous avez travaillé? En fait, oui, vas-y. On en avait sorti 4 à cette époque-là, conjointement en fait, sur 4 projets qu'on avait. Un texte d'Alice Aumont, un texte de Beauchaud, donc un texte d'Arnaud Catherine et un texte de Pierrotin Grenier. D'accord. C'est 4 personnes qu'on avait approchées qui avaient tout de suite dit oui, donc c'est ce qui nous a permis aussi d'être assez... Dont déjà dès le début, des auteurs qui vous ont suivi, comme Annie Saumon. Oui, c'était assez impressionnant au départ, parce que bon, donc on a décidé de créer la maison d'édition, on a un peu réfléchi, quoi. On ne sait pas non plus. Moi, je suis allé voir des libraires, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on en sorte au moins 3 ou 4 d'un coup pour qu'on soit un peu visible. Et en fait, tous les autres, enfin, pas tous les auteurs, mais Annie Saumon, typiquement, c'était assez. J'ai envoyé une lettre. Elle m'a répondu tout de suite que ça lui faut pas qu'elle était partante et alors qu'on se connaissait pas, on s'était jamais vu et en fait c'était aussi étonnant de voir comme les auteurs étaient accessibles finalement. Et au final vous avez un très très beau catalogue qui approche de son 50e titre. On a sorti le 50e là le week-end dernier. Voilà. Et donc au programme, Annie Saumon, Henri Beauchaud, Arnaud Catherine, Pierrotin Grenier sur les 4 premiers. On trouve aussi Georges-Olivier Château-Renaud, Violette Leduc, Pierrette Fleutiot. Éric Pessan, Nathalie Quintane, Daniel Arsan, Dominique Fabre, on pourrait en faire Stieg Dagerman, bon ça c'est plus dans une voie patrimoniale, mais c'est quand même assez beau au catalogue, Béatrix Beck, Carole Zellberg, Jacques Ribaud, Isabelle Minière, Denis Lachaud, Mercedes d'Ambrosis, oui, non, c'est voilà. Assez fier de nous. Plutôt un beau catalogue avec de beaux auteurs. Mais en fait, je crois que enfin, les auteurs qui sont là en parleront peut-être aussi, mais c'est vrai qu'on leur propose un projet différent. C'est-à-dire que c'est pas juste publier un texte, c'est aussi créer un livre à deux voix et du coup
peut-être, je ne sais pas, rompre avec le côté solitaire de l'écriture, mais qui, je pense, est aussi la même chose dans la pratique artistique. Donc il y a aussi ça qui crée l'envie et le désir. Bon, après, il y en a plein qui ont dit non, hein, aussi, faut pas... Alors j'ai une totale méconnaissance du domaine artistique par contre des artistes, mais est-ce que ça fonctionnait pareil pour les artistes, c'est-à-dire que vous avez contacté des gens dont vous admiriez le travail, dont vous estimiez le travail, ou est-ce que vous avez fait appel à des connaissances que tu pouvais avoir, Renaud ou... Un peu des deux, c'est-à-dire qu'au départ c'est vraiment plutôt une question de relation sur le premier cercle d'amis que je pouvais avoir, qui étaient artistes ou qui avaient un travail plastique, et petit à petit, de toute façon c'est aussi le catalogue d'artistes est aussi hétéroclite que le talent d'auteur, si ce n'est qu'on a quand même des gens qui sont plus émergents, qui sont plus jeunes, qui sont en plus de nos générations, on va dire, qui vont être larges au niveau des artistes. On n'a pas de gens, c'est pas tout à fait la même chose quoi, d'être artiste que d'être écrivain, mais on a quand même des artistes fameux, qui sont plus jeunes, complètement débutants. Il n'y a pas du tout de... C'est plutôt le travail d'artiste qui prime, et donc après une certaine corrélation entre les travaux que dans la cote. Mais de la même façon, on ne leur demande pas d'illustrer, donc c'est ça aussi qui peut créer une envie. C'est une carte blanche à chaque fois. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail après avec les auteurs et les illustrateurs qui sont là du travail collectif. Mais comment vous faites la première sélection? Comment vous dites, enfin, comment ça fonctionne pour se dire tel artiste fonctionnera bien avec... C'est au feeling? C'est très très intuitif. Ouais, c'est complètement intuitif. Ouais, c'est complètement intuitif et c'est complètement... Il y a beaucoup de choses qui sont des histoires de hasard, un peu comme dans la vie les choses qui arrivent en même temps. Moi j'aime bien ça quand un artiste, on décide un texte par exemple, et puis au même moment je tombe par hasard sur un travail d'artiste qui va pour moi résonner dans le sens de ce texte, et comme dans notre monde il y a vraiment beaucoup beaucoup trop de possibilités, il vaut mieux pas trop réfléchir, et quand on a un signe comme ça qui donne des choses, ben, il faut sauter dessus et y aller. Donc alors, après c'est très ténu, c'est très fortuit, ça dépend vraiment de chaque histoire est très différente en fait. Son feeling. Ouais. Mais à chaque fois, on réfléchit quand même aussi. Oui, à ce que... Non, mais je veux dire que le choix n'est pas exhaustif. On ne fait pas un exercice exhaustif de tous les artistes par rapport à un texte et tout ça. C'est qu'il y a une rencontre qui se fait de manière assez amoureuse à chaque fois. Donc c'est là où elle est sensible. On va rentrer donc un peu plus dans le détail. On va attaquer par une première lecture. Alors, on avait prévu de commencer par L'homme inépuisable. Est-ce que Denis Lachaud nous fait l'honneur d'une lecture? Bonsoir. Peut-être je parle du livre deux secondes, oui, pour qu'on comprenne. Oui. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Jean. Oui, Jean. Qui est schizophrène et qui a une trentaine d'années, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on a découvert sa pathologie, qu'il est traité, il est stabilisé, et il va très régulièrement voir un médecin, et ce médecin un jour lui propose de mettre en contact avec un infirmier qui a un projet, et ce projet, puisque Jean a des petits problèmes par rapport à l'intérieur, l'extérieur, le territoire, tout ça, ce projet c'est de mêler des patients à la construction d'une maison dans laquelle ils vivront une fois qu'elle sera construite. Voilà, donc je vais vous lire, c'est pas le début, pour une fois je lis pas le début, c'est page 17, c'est vraiment le début du projet. Ce matin, tous les participants sont convoqués à 9h pour voir le terrain tel qu'il se présente avant que les travaux ne commencent. Jean et les autres. Les autres, Jean ne les connaît pas. Il ne sait pas comment ils se nomment. Il ne sait pas d'où ils viennent. Il n'a jamais eu vent de leur histoire. Il ne sait pas qui les suit. Il ne sait pas par qui ils sont suivis. Au présent, je suis ici. Je suis à l'entrée du 18 rue Charles Baudelaire et j'entre car c'est ici que nous construisons notre maison, moi et les autres, tous ceux que Geoffroy a choisis. Jean voit les autres. Chacun regarde le terrain et chacun regarde les autres. Dans un premier temps, les professionnels vont travailler seuls, sans l'équipe des futurs habitants. Il faut libérer le terrain, la surface au sol sur laquelle la maison sera bâtie.
Le terrain a servi de dépotoir depuis de nombreuses années. Les cadavres du quartier s'y sont entassés. Jean voit une machine à laver. Il voit un tiroir plein de boue. Il voit une vieille voiture. Les autres semblent moins jeunes que Jean. Il y a trois sujets aujourd'hui. Le terrain, les objets en vrac à nettoyer, les autres. Je suis inquiet, honnêtement. J'essaie de faire preuve d'imagination, mais je ne vois pas la maison. J'essaie de me dire que je vais vivre ici. Je vais vivre sur ce terrain, ça, oui. Ça, je parviens à y croire. Ça, je parviens à le prévoir. Jean accepte l'inquiétude. Il se dit que l'inquiétude est un pis-aller. Il se dit que l'inquiétude est un dommage collatéral de la guerre pour vivre. Il se dit que peut-être l'inquiétude est une bonne chose, que peut-être l'inquiétude le protège du plus instable, du plus malade, du plus fou à l'intérieur de lui. Il se dit qu'avec le temps, peut-être, il parviendra à oublier l'inquiétude. Il se dit qu'avec le temps, peut-être, l'idée d'un danger disparaîtra. Il se dit parfois que si l'idée d'un danger disparaît, l'inquiétude s'éteindra. Le corps, la paix et la vie seront réunis. Jean se dit que dans ce cas-là, l'inquiétude aura été une bonne chose. Jean ne veut pas mourir, Jean veut vivre. Merci. On va faire circuler un exemplaire de l'ouvrage pour que vous puissiez le voir, l'objet fini avec les illustrations, le texte et les illustrations. Alors, le thème de la schizophrénie, c'est quelque chose que tu as aussi exploré dans un autre ouvrage qui s'appelle « J'apprends l'hébreu », qui est sorti à peu près en même temps. Comment... ça, c'était un texte de commande, l'homme inépuisable, de la part? Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé à travailler sur commande sur la schizophrénie, mais c'était en 2005. On m'a commandé une pièce de théâtre sur ce sujet, et j'y connaissais rien, donc j'ai été... Le texte m'a été commandé par une équipe dans laquelle il y avait 5 psychiatres. Donc ces cinq psychiatres m'ont ouvert leur service. Et j'ai passé 6 mois dans les hôpitaux psychiatriques à observer, à poser des questions. Et c'était passionnant. À partir de là, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et après avoir écrit cette pièce, j'ai eu envie de continuer sur ce sujet. Je me suis dit qu'un jour, j'écrirais côté romanesque sur ce sujet. Et l'occasion s'est présentée. J'ai écrit « J'apprends l'hébreu ». C'est-à-dire que je suis parti en Israël, je me suis installé 6 mois en Israël pour écrire un roman qui parle d'un ado qui est en train de tomber dans la pathologie. Et voilà. Et quand j'ai donné le manuscrit, donc j'ai travaillé pendant 6 mois en Israël, je suis rentré à Paris et j'ai continué à travailler sur ce roman. Et j'ai écrit une partie qui se déroulait 10 ans plus tard, alors que cet ado était devenu un adulte et était traité, etc. Et en fait, quand je l'ai fait lire à mon éditrice chez Actes Sud, on a parlé du manuscrit, et en fait, on s'est mis d'accord sur l'idée que la deuxième partie, 10 ans après, ça n'allait pas en fait avec. C'était dommage, le texte lui plaisait, mais elle disait, mais à mon avis, il faut l'enlever. J'étais assez d'accord avec elle. Et voilà, donc j'avais ce texte 10 ans après qui faisait à peu près 80 pages, que j'aimais beaucoup, moi, je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose quand même. Et du coup, je l'ai retravaillé pour le rendre complètement autonome, et je l'ai proposé à ces messieurs avec lesquels j'étais en contact depuis un certain nombre d'années. En fait, moi, je fais partie des auteurs qui ont dit non au départ. À l'époque, quand ils m'avaient contacté, j'avais répondu que j'avais un éditeur et que quand j'écrivais de la fiction, je pouvais être édité par eux et je voyais pas pourquoi aller faire d'autres choses ailleurs, ça ne m'apparaissait pas, quoi. Et puis quand même, on est resté en contact, on s'est vu sur des salons, etc. Et puis j'ai découvert leur travail. Parce qu'au moment où ils m'avaient contacté, il n'y avait pas de livre encore. Non, c'était avant au moment de la création. C'est parti de la première fournée. Et donc j'ai découvert ce travail. Et puis je trouve que c'est vraiment un travail assez unique et très intéressant. Parce qu'il y a vraiment, quelque chose de... Chaque livre est un objet unique. Chaque livre est vu par un artiste différent, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment un travail de résonance qui, pour moi, en fait, évoque... Moi, je viens du théâtre, ça m'évoque vraiment le travail entre l'auteur et le metteur en scène. Le fait que le metteur en scène apporte son univers
et que le résultat final, en fait, n'est ni le texte ni la mise en scène, c'est quelque chose qui naît de la fusion des deux. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très réussi dans le travail de Renaud et François à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand j'ai eu ce texte, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais de leur donner. Oui, ça, c'est un point important sur lequel on va revenir, mais c'est le fait que ce n'est pas un texte finalement illustré. Enfin, ce ne sont pas des illustrations dans le sens où on extrait un passage du texte et on le met en image. C'est un travail collectif. Comme tu disais, tu l'as dit très bien, donc je ne vais pas répéter. C'est un travail sur les résonances plutôt. Voilà, c'est ça, sur les résonances. Et donc par rapport à ton travail, ça tombait. C'était l'opportunité de faire naître ce texte et lui apporter une dimension supplémentaire. Voilà. Alors tu as travaillé avec Ulrika. Bonjour. Alors moi j'ai pas travaillé avec Ulrika. Hein. C'est Ulrika qui a travaillé avec ton texte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Renaud m'a amené des travaux de deux artistes, Ulrika et une autre personne. Hein ? Oui, tout à fait. Oui. Et on a choisi ensemble Ulrika, et je trouvais que le travail d'Ulrika, puisque donc dans la schizophrénie, il y a vraiment toutes sortes de problèmes que ça pose à la personne qui en est victime, notamment souvent un problème de difficulté à délimiter les limites de son propre corps, les limites en général, mais les limites de son propre corps. Et du coup, ce travail à l'encre, où il n'y a que des limites, mais d'une certaine manière, elles disparaissent parce qu'elles sont tellement superposées qu'il y a quelque chose qui fait perdre les repères. Je trouvais que c'était vraiment... alors, au niveau des résonances, c'était parfait, quoi. Et toi, Ulrika, comment as-tu accueilli ce texte? Et comment as-tu pu... parce que c'est quelque chose, c'est ton style de dessin naturel, ce qu'on voit là. Enfin, c'est quelque chose que tu explores en dehors de... Oui, voilà, c'est pas du tout hein, des dessins... Enfin, disons que c'est des dessins qui sont pensés en relation avec le texte de Denis, mais je n'ai pas à modifier ma façon habituelle de travailler. Donc, voilà. Donc, c'est aussi la première fois pour moi où j'ai eu à... m'accorder en quelque sorte sur la base de l'écrit qui n'est pas du tout mon fonctionnement habituel. En général, je ne me nourris pas du tout d'écriture pour dessiner. Je me nourris plutôt par les images en fait, parce que ça c'est ma façon de penser quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, donc c'était une expérience un peu particulière. Donc je l'ai bien sûr lu plusieurs fois. Et c'est aussi un texte qui n'est pas particulièrement illustratif, on va dire. C'est pas un texte qui verse dans les métaphores, dans les images, etc. Donc, alors, et que d'une certaine façon, c'est aussi assez proche de ma façon de travailler, parce que bien que j'ai recours à l'image un peu comme mode d'expression, je suis pas du tout attirée par un travail sur la narration. Vous voyez, c'est assez... paradoxal aussi. Donc, puis ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte, c'est l'idée de construire une maison, de construire un espace qui n'existe pas encore, qui est donc un espace encore à l'état imaginaire. Et donc j'ai pensé qu'il y avait aussi dans le travail de dessin quelque chose comme ça, de construire un espace donc, qui est visuel, certes, mais c'est quand même voilà, une sorte de construction. Que moi je fais avec des traits et que voilà, c'est comme ça que j'ai pensé un peu les choses. Il y a aussi un jeu sur la maquette, notamment au début on apprend comment vont s'organiser les travaux avec les jours blancs où personne ne travaille, les jours bleus qui sont les jours où les professionnels interviennent sur la maison et uniquement les professionnels, et les jours verts où les futurs habitants de la maison, dont le personnage principal, interviennent. Et on a tout un jeu de maquettes autour de ça. Est-ce que ça faisait partie de ton travail ou c'est... Bah, c'est-à-dire que alors là, c'est un petit peu mon travail, et puis c'est un petit peu Renaud qui a travaillé à la maquette. Et c'est vrai que dans mon travail, si vous voulez, il y a un système de travail par couche. Voilà, je vais mettre en œuvre du rouge, du bleu, du vert, du orange, etc. Et donc c'est vrai qu'il y avait dans le texte de Denis quelque chose comme ça où on pouvait, travailler par couche. Par jour, par couche, enfin c'est comme on veut. Donc moi j'ai pensé qu'il était intéressant au niveau de la maquette de se servir de cette histoire de la couleur pour
être à côté, en tout cas, du texte. Et donc après, bon, c'est vrai que Renaud, dans son travail de maquette, il a aussi exploité ça. Donc on va dire que ça, c'est plutôt un travail à trois, du coup, qui, voilà, ça résonne un peu dans tous les sens. Il y a parfois dans vos ouvrages, effectivement, un travail sur la maquette et sur l'incrustation des dessins, mais je l'ai trouvé beaucoup plus prononcé dans celui-ci. Enfin, il y a un vrai jeu. Oui, juste par cette symbolique des deux couleurs, c'est vrai qu'il y a les rideaux qui sont imposés par la maquette, qui soient unis ou avec les dessins, reprennent les derniers jours, le calendrier. Donc, c'est vrai que j'aime bien quand on arrive à inventer des choses à partir en commun accord avec, à partir du texte en commun accord avec l'artiste, qui permettent de faire rebondir en fait le livre, parce qu'on a toujours le même, c'est toujours le même format, c'est toujours un texte d'image, donc c'est bien de réinventer, d'arriver avec ce matériau tout tenu comme ça, tout ténu, de réinventer une nouvelle façon de le détourner. Donc en fait, en plus des deux acteurs cités par Denis, il y a aussi l'acteur, enfin vous, qui rentrez en compte dans la création du livre, au moins dans la maquette. Plus ou moins selon les artistes, selon les travaux, c'est pas... Des fois, il y a des artistes qui nous font qui font les dessins, mais ils savent très exactement quelle page, enfin voilà, comment ils le veulent, et d'autres qui nous laissent beaucoup plus de liberté. Ça dépend vraiment de la manière dont ils ont travaillé aussi. Ulrika, je pense que comme tu n'as pas travaillé justement sur des mots clés dans le texte, où c'était beaucoup plus libre en fait. Il y a Baudelaire qui revient plusieurs fois, mais qui revient dans tout le texte, puisque le personnage va habiter rue Charles Baudelaire. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient dans tout le texte. Ce n'est pas un détail qui a inspiré un dessin, telle page, comme ça peut l'être dans d'autres cas. Virginie et Gilles, vous avez travaillé donc l'année précédente sur Les Zones Ignorées, et Les Zones Ignorées, c'est un premier texte. Donc vous n'avez pas été chercher l'auteur pour... Non. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que... donc on a commencé avec des textes d'auteurs dont on aimait les livres, donc forcément dont on connaissait le travail. Et très vite, comme tous les éditeurs, je pense qu'on a commencé à recevoir des manuscrits de plus en plus. Et en fait, les deux premiers auteurs de cette collection Voiture 547 sont là, puisqu'il y a Pascal Gibourg qui est là et Nathalie Constant qui est là-bas, qui nous ont envoyé à peu près au même moment leur texte. Et en fait, on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ces textes juste parce que les auteurs ne sont pas connus. C'était des textes qui nous plaisaient vraiment beaucoup. Et on a décidé de créer cette collection qu'on a appelée Voiture 547, pour une raison voiture, parce que c'est le chemin de fer. Donc voilà, il y a des voitures au train. Et 547, parce que c'est une collection en bichromie et qu'au départ, le numéro du Pantone des premiers livres devait être le 547. En fait, ça n'a jamais été le 547, mais on a gardé le nom 547, bref. Et voilà, on s'est dit qu'on voulait aussi être comme des éditeurs qui défrichent des travaux, des écritures. Et donc on a lancé cette collection, ça a pris du temps, puisque je pense qu'entre le moment où on a reçu le texte de Nathalie et de Pascal, on a bien mis plus d'un an, je pense, à sortir les livres, parce qu'on voulait vraiment, c'était le début, on ne voulait pas perturber les libraires, qui sont facilement perturbables parfois, en leur proposant tout de suite des... Attention, je crois qu'il y en a dans la salle. En leur proposant tout de suite des textes d'auteurs inconnus, etc. Donc on a pris notre temps, et en fait... C'est une collection qui dure maintenant, qui à la fois mêle des premiers textes et qui petit à petit, on a aussi intégré parfois des textes plus difficiles d'un point de vue de la forme, etc. Parce que donc les livres sont un peu moins chers et donc des textes dont on a envie auxquels on a envie de donner une chance supplémentaire en les proposant un peu moins cher. C'est ça. Donc, c'était les zones ignorées. Non, c'est très bien. Oui. C'est le principe. Quelle était ta question? Il n'y a pas de question. Ah bon. C'est l'intérêt des soirées, il n'y a pas vraiment de questions. On parle, c'est comme ça. C'est comme voilà. Ça. Donc voilà, il y a eu ces deux premiers textes, La Reformation des imbéciles et Rêve d'épingle. Et l'année suivante, il y a eu le texte de Virginie, Les zones ignorées. Il y a eu aussi un texte d'une auteure roumaine, dont c'était la première traduction en français. Et voilà, pour les hommes ignorés, donc en fait, Virginie nous en... Je ne sais pas pourquoi tu peux dire pourquoi tu nous l'as proposé, mais...
en tout cas. Bon. J'ai pas, effectivement, j'ai dû l'envoyer, il me semble, à 3 éditeurs ou 4, dont le chemin de fer. Mais en fait, je crois que je l'ai envoyé parce que alors, c'est un texte que, qui n'a pas vraiment son origine en papier. C'est un texte qui a son origine, qui a trouvé sa première, ses premiers lecteurs en numérique. Puisqu'au départ, il s'appelait Les Sédiments et il existait sur Publi.org. Mais il n'avait pas vraiment fini sa route. Et donc, il a été remixé. Il a trouvé une nouvelle forme sous la forme des zones ignorées. En fait, je crois que les gens qui me connaissaient m'ont dit plein de fois, mais va voir le chemin de fer, parce que c'est des éditeurs pour toi, parce que je venais des arts plastiques, pour plein de raisons. Il y a quelques personnes qui me connaissaient bien, qui connaissaient le test, qui m'ont proposé donc, d'aller voir le chemin de fer. Voilà, j'ai envoyé, et puis vous m'avez répondu assez rapidement. De la chance parce que des fondés. Et donc, en quoi ça consiste, les zones ignorées ? Les zones ignorées, c'est un texte qui n'est pas très narratif, qui se passe sur une journée, donc d'un matin à fin de journée, et qui va se dérouler en une forme d'errance, de promenade, comme ça, dans une ville qui n'est pas vraiment nommée, mais qu'on peut, je pense, assez facilement reconnaître comme celle de Paris. Dans cette ville, un personnage qui est d'abord un personnage un petit peu en creux, en fait, hein, qui n'a pas vraiment de nom et qui n'est pas vraiment, jusqu'à assez longtemps dans le texte, qui n'est pas vraiment décrit ni défini, va être dans une déambulation erratique. Voilà. En fait, ce personnage, c'est un espèce de prétexte à parler de... En fait, longtemps, j'ai cru que mon point de départ à moi, c'était le désir de description, mais de décrire des choses et des objets. J'ai passé pas mal d'années à filmer la ville. Et je crois que dans l'écriture, j'avais envie de retranscrire, de redonner ce regard caméra, cette espèce de cadrage et tout ce que j'avais vu, que j'avais assimilé, digéré, j'ai envie de le redonner par les mots. Ouais. Et en fait, à côté de ça, tu effectues un travail de plasticienne. Oui. Est-ce que ça rentre dans ta démarche de plasticienne, ce fait ? C'est une prolongation ? Peut-être. J'en sais rien. En plus, c'est un premier texte, donc c'est un peu difficile d'avoir du recul dessus. Ce que j'avais envie de dire, c'est que je crois que... Alors, simplement maintenant, je vois que les choses commencent à prendre une cohérence, à dire qu'il y a vraiment du répondant entre la dimension plastique et la dimension de l'écriture. Les deux ont toujours coexisté dans mon travail. Simplement, la partie écriture était une partie secrète, quoi, souterraine. Voilà. Donc finalement, je pense que ce n'est pas des objets que je décris en fait, dans les zones ignorées, mais je me rends compte un petit peu maintenant. Je crois qu'en fait, ce que je décris, c'est plutôt une perception, donc une espèce de voir en déplacement, une vision en mouvement. Voilà. Donc ce personnage, c'est un personnage en creux qui est un peu un prétexte. Bon, il a quand même une identité forte, hein. Parce que c'est plutôt un SDF ou quelqu'un qui n'a pas forcément de but, mais néanmoins il est un prétexte à regard, quoi. Voilà, un prétexte à regard et un regard en mouvement. Est-ce que tu accepterais de nous en lire un extrait ? Possible. Alors c'est un petit... Je fais un petit mix encore, j'aime bien mixer. En fait, j'avais envie de commencer pour moi, pour faire plaisir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça, et puis aussi peut-être pour vous, je ne sais pas si ça peut avoir du sens, par quelque chose qui se retrouve au début du livre, mais un peu inséré quand même dans le livre, et qui en fait est ma première phrase, donc mon tout premier point de départ du texte. Des barbes de ciment. Des picots hérissés en petites pointes blessantes, des gouttes immobilisées dans le séchage, les rainures de l'outil dans la matière bâclée, on voit presque la main pressée, désabusée, pensant le pied de ce mur pour une raison qui échappe d'abord, il faudra s'y pencher. Une ligne où s'accumulent les poussières, fines, noirceurs, copropies d'un ventre hâlé ou sale, marque l'angle avec le sol. Un angle mort pour la marche, une réserve comme un fossé où se déposent des traces intouchées. On imagine forcément les chiens pissant là contre. Déchets rongés par le temps et l'air, miettes de ce qu'ils furent,
des papiers, des cheveux, des biscuits, des plumes, des cigarettes dans des bouches. Reste une poussière grise devenue couleur, imprégnée dans la chair du mur, tandis que l'eau emporte sur l'autre bord des résidus plus neufs, les traces des passages de la veille, une fête, une manifestation, laissant place nette pour un recommencement. Tu t'amuses, ce bruit de ruisseau, semblable à tous les bruits des ruisseaux, légers, clairs, cascadants. L'eau des caniveaux contourne les pierres de taille, les granites, affleurant aux bordures des trottoirs, comme une remontée des roches dans la ville, la poussée d'une ligne de crête étêtée que tu suis. Des soupçons de mica, de quartz, des cristaux, tu devines le sable grossier et c'est tout le règne minéral prêt à revenir aux sources, au seul champ de l'eau. Quelques cris, et ils s'amplifient. Ils résonnent en flot aigu, indistinct, entre les murs d'une cour d'école. Clignotement sur le bitume, ombre mouvante des feuilles d'arbres, imprimant par intermittence un motif de mouche à rabier que le vent d'un seul coup efface. Tu frissonnes quand tout s'éteint. Pas les enfants qui jouent à se faire peur. Le jour, établi sur six pâles lumières, on peine à croire au renouveau qu'inaugure normalement le matin. Tu fixes un point au sol, le joint d'une reprise formant quadrilatère. Deux mégots écrasés à l'intérieur de l'empiècement neuf, plus sombre. Il passe. Un pas dedans, un pas dehors, un pas dedans, un pas sur la bordure. Un petit morceau de plastique transparent glisse, presque invisible, se traîne, s'accroche, pousse encore quelques centimètres, hésite, palpitant, puis décolle pour se plaquer l'instant d'après contre le pied boulonné d'un banc. Structure en fonte, latte de bois peinte en vert sombre et palette de fiente de pigeons, gris, ocre et blanc. Un chien tenu en laisse. Il tire pour se frotter contre les coins, fourrer son museau dans les interstices odorants. Il aimerait bien retrouver des traces anciennes, retrouver des odeurs neuves, excitantes. S'il n'y avait cette laisse, il ferait son tour aussi chez les marchands. Tiraillement des laisses et des mains d'enfants. Pourtant, il est des heures plus creuses où tu constates un léger flottement dans l'axe des piétons, un jeu, un balancement particulier dans lequel tu te confonds mieux. Tu n'as pas la cadence rythmée, uniforme de celui qui se rend quelque part. La rue sur ton passage semble se matérialiser, apparaître corporellement, chaque chose avec ses angles, ses brèches, son âpreté, sa banalité. Un morceau de trottoir, un barrage en rouleau de moquette, un bac à fleurs en béton moulé. Quelles que soient les hésitations qui te trahissent, les tressaillements infimes qui te surprennent à la vue d'un uniforme, d'une voiture de police, tu ne saurais faire autrement que de trancher dans le vif pour avancer, fragile et robuste à la fois. Parfois tu suis quelqu'un choisi au hasard, que tu quittes soudain pour t'accrocher à une autre silhouette, même de loin. Le petit morceau de plastique est reparti dans une bourrasque et avec lui quelques feuilles qui slalom derrière les foulées. Agglutination des pigeons, des silhouettes en contre-jour vers les bouches dévorantes du sous-sol, des corps ballottants dans les autobus, des ossements dans les fosses, des poussières là où bute le vent. Textes que vous éditez, c'est qu'ils sont extrêmement travaillés sur le style. En tout cas, là, dans ce qu'on a pu entendre ce soir, que ce soit un texte patrimonial comme Des Forêts, le texte de Denis, le texte de Virginie, ce sont toujours des choses très, très ciselées. C'est une exigence. C'est ce qui me plaît dans le texte court, en tout cas, c'est vraiment que il n'y a pas la place à l'erreur. C'est-à-dire que sur un roman de 300 ou 400 pages, on peut se permettre 10 pages mauvaises sur un texte de 50 ou 70 pages. Il faut que tout soit parfait. Enfin, il faut que ce soit parfait et qu'il ne peut pas y avoir une page mauvaise. Ça, c'est clair. Nous, on est très attirés par des écritures assez fortes, effectivement. Et j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça, mais... une seule simple jolie histoire ne nous intéresse pas. Voilà, il faut que ça soit porté par une plume, par une,
expérimentation quelque part, ou même si ce n'est pas expérimentation, en tout cas une maîtrise de l'outil d'écriture et qui interroge l'écriture elle-même et qui parle de ça. Quelquefois, là, on a deux exemples qui sont très dissemblables. Justement, quelquefois, il y a des auteurs qui viennent nous voir sur les scènes en disant alors quel thème, etc. Mais on s'en fiche en fait. C'est pas l'histoire qui fait le livre, c'est l'écriture qui fait le texte. Enfin, voilà. Et c'est l'ensemble. Et aussi, dans cette idée du texte court, et ça m'arrive très souvent quand on reçoit des manuscrits, on a parfois des nouvelles qui sont des bonnes nouvelles, mais je réponds souvent que ce sera très bien dans un recueil, mais dans un texte court tout seul dans un livre, il faut qu'il ait une sacrée force pour s'imposer comme. Texte à soi seul, à part entière, qui n'aura pas d'autres textes pour venir en résonance. Et ça, c'est parfois difficile à faire comprendre, mais il y a des personnes qui écrivent très bien, mais il leur faut la dimension du recueil, par exemple, pour qu'on prenne conscience de leur plume, de leur travail. Nous, il faut que ce soit un texte court, qui donne tout de suite. Ça, mais c'est assez surprenant de voir cette force, justement, dans les premiers textes que vous... Tout de suite dans le livre. il y a quand même, enfin, les premiers romans, c'est plutôt les premiers textes que vous publiez sont quand même assez forts. J'en ai lu quelques-uns, notamment celui de Pascal Gigoux, qui était assez, ça tord le ventre de manière assez forte. Et là, avec le texte de Virginie, c'est pareil. C'est comme tu disais tout à l'heure, mon regard de lecteur, c'est effectivement une perception. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un déroulé. C'est de la description, mais c'est surtout une façon de voir les choses, une façon de voir le monde, et puis des choses très quotidiennes finalement. Il y a une manière de voir la vie qui nous environne comme on ne peut pas la voir. Il y a tout un travail dans ton texte, notamment sur le temps, on sent des moments d'accélération et des moments de ralentissement complet, où on a l'impression que le protagoniste est complètement à l'arrêt et que le monde tourne autour de lui. Et inversement, parfois, il avance et le monde est complètement immobile et il surprend un instant d'immobilité totale, surtout au début et à la fin du texte. C'est assez saisissant comme processus. En tout cas, nous, ce qui nous a arrêté tout de suite sur le texte de Virginie, c'était justement cette chose qui est assez fascinante de cette errance que l'on suit. Alors, je ne sais pas si vous avez dans ce qu'a lu Virginie, mais elle tue, donc on est vraiment dans la peau de ce personnage et il n'y a absolument aucune psychologie dans ce texte. Enfin, c'est important pour parler d'un personnage comme ça ou de ce type de sujet d'avoir quand même une forme de distanciation, voilà, effectivement. Donc il y a une distance, mais il y a une distance qui est très proche. Le « tu », je crois que le « tu », c'est une forme empathique, quoi, voilà. Ce « tu-là », moi j'ai toujours tendance à dire que j'écris derrière l'épaule du personnage, voilà. Donc c'est une forme d'accompagnement. Donc celui qui écrit, là, il est vraiment derrière l'épaule du personnage. Il ne décide pas pour lui, il accompagne, il suit. J'aime bien aussi l'idée que l'auteur, il fait l'apprentissage de son texte au fur et à mesure qu'il écrit, voilà, qu'on n'est pas une espèce de personne qui sait à l'avance tout ce qui va se passer ou qui décide. Donc je crois qu'il y a aussi, et c'est peut-être pour ça que le lecteur, il est lui-même emmené dans cette distorsion temporelle, c'est que... Moi, j'aime bien l'idée d'avancer en tâtonnant, quoi. Voilà, j'aime bien l'idée de la myopie. La myopie, elle revient assez souvent dans le texte parce que j'avais une volonté de voir les choses de très près, voilà, de se coller ou même au ras du sol, voilà, comme c'est un peu ce que j'ai lu. Et puis de faire l'expérience, voilà, des choses petites les unes après les autres, voilà, sans être trop dans un projet. Cette distanciation, elle la retrouve un peu dans ton texte aussi, Denis, par l'alternance. Il y a une alternance de chapitres, je ne sais pas si vous avez de paragraphes, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez plutôt entendu à la lecture. Un paragraphe est raconté par Jean et l'autre est dit par un narrateur extérieur. Il y a toujours ce jeu qui fait que parfois les actions sont répétées avec les deux points de vue, celui de Jean et celui du narrateur extérieur. C'est un peu une même manière de travailler, enfin, une manière différente de travailler un même procédé. D'opérer une distanciation C'est en tout cas pour moi une manière de... Oui, ça me donne la possibilité de donner différents points de vue sur une chose.
Quand j'écris, j'ai souvent le sentiment d'être autour, que ce dont il s'agit est au centre et que moi je viens placer des mots autour et que les mots que je vais placer vont donner la forme à ce dont il s'agit. Et donc le fait de pouvoir donner plusieurs points de vue à une même chose, une scène, ça renforce cette possibilité. Bah oui, par le fait qu'il y a plusieurs points de vue et que donc quand plusieurs personnes parlent d'un même objet, par exemple, ou se placent autour de cet objet à différents endroits, elles ont différents points de vue sur cet objet. Du coup, on a une vision, si elles le décrivent, on a une vision plus complète de cet objet. Et puis, c'est quelque chose que j'utilise très souvent dans le roman. C'est déjà le cas et presque un peu plus poussé dans J'apprends l'hébreu, où on a, outre la voix du personnage principal, une alternance de chapitres avec un narrateur extérieur qui raconte l'histoire de la famille et des membres de la famille, et les passages de personnages qui passent, qui sont captés par le dictaphone du narrateur. Oui, voilà, donc là c'est beaucoup plus long, ça fait 200 et quelques pages, du coup ça se décline plus. C'est vrai que là, par le format, moi, je trouve que le format pousse à une expérimentation qui est vraiment liée au format. C'est-à-dire que 80 pages et comme le disait François, comme ça, une espèce de sentiment qu'il faut donner tout ce qu'on a à donner sur cette histoire-là, il faut le donner vite. Donc c'est quand on a, pour ce qui est mon cas, pas du tout l'habitude d'écrire des nouvelles, mais d'écrire toujours ou des pièces de théâtre ou des romans qui font 200 ou 220 pages. C'est complètement autre chose, et du coup c'est vraiment l'intérêt de chercher quelles sont les possibilités propres à ce format et aussi quelles sont les contraintes propres à ce format. Et donc là, j'ai pas du tout multiplié les points de vue comme j'ai plus l'habitude de le faire dans des romans plus longs, mais j'ai gardé par contre ce parallèle entre le narrateur omniscient et cette alternance, en tout cas, le narrateur omniscient et le personnage principal. Comment on rend compte, quand on artiste, d'une perception qui est écrite par quelqu'un d'autre? Gilles, par exemple, comment tu as... Enfin, pas par exemple, d'ailleurs, Gilles, comment tu as pu travailler sur ce texte? Alors, moi, la genèse du projet, j'ai contacté les chemins de fer, parce que j'aimais beaucoup ces livres. Donc, je les ai découverts à la librairie du Centre Pompidou, d'ailleurs. Et en tant qu'artiste, moi, j'aime beaucoup les livres d'art. Donc c'est principalement l'aspect visuel des livres qui m'a séduit de prime abord, parce que j'ai découvert mon texte en lisant. Mais c'est vrai que j'avais flashé sur un livre de Dan Laure Sacris, d'ailleurs. Et donc suite à ça, je vous ai contacté, et il s'est passé un petit temps, on a dû se voir, je crois, et puis finalement, je crois que mon travail vous avait convenu, et puis vous aviez cherché plus ou moins un manuscrit qui pouvait éventuellement correspondre à mon travail, et du coup, c'est fait le lien avec Virginie, et voilà, donc après, moi j'ai reçu le texte, il m'a beaucoup plu. Et parce que j'ai senti très vite aussi qu'il y avait une vision extrêmement plastique des choses, même si évidemment il y a des très belles qualités littéraires, mais ça m'a parlé en tout cas à ma sensibilité d'artiste. Et je crois, oui, qu'à l'époque il y avait les sédiments aussi. Donc c'était la première mouture. Et ça m'a parlé aussi par rapport à mon travail. Bah oui, ça, je comprends. Et je crois que ça a dû faire aussi une connexion avec Renaud. Et du coup, c'est vrai que j'avais à l'époque, je travaillais sur une série qui s'appelait les Ink Mountains, qui étaient des paysages, des images à mi-chemin entre l'abstraction et la représentation paysagère, qui étaient travaillées avec des encres et des peintures, mais qui tendait vers une représentation paysagère, mais qui avait cette dimension de particules, sédimentaires, on pourrait dire. Et, poudreuse. Voilà, un petit peu poudreuse. On a l'impression, en voyant le travail que tu as fait sur le livre, qu'on oscille entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. La notion de paysage ou la notion de texture, comme de regarder un mur en gros plan ou une flaque ou quelque chose, quelque chose de très matériel. Comme dans le texte, il y a énormément d'éléments visuels, qui vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand, enfin en tout cas dans ce qui pourrait être le champ d'une rue ou d'une déambulation, je me suis dit que je pouvais, en tout cas à partir de mes séries, les développer dans l'abstraction, mais en même temps en trouvant une forme de rythme, comme une espèce de suite
qu'on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Renaud, on rappelle nos séances sur ordinateur, c'est très intéressante. Et voilà, donc ça a fait comme ça un lien, une espèce de... On a essayé de trouver un rythme, sans pour autant que ça colle à une question descriptive ou narrative. Parce que j'ai parfois répondu, des choses un peu plus fermées, des choses un peu plus ouvertes. C'est pas du tout aucun cas descriptif. C'est vrai que dans les deux cas, là, entre le travail de Ulrika et le travail de Gilles, c'est vrai qu'on a finalement un rapport qui est un peu similaire entre l'image et le texte, alors que les travaux sont complètement dissemblables. Et il y a quelque part la figure qui est surabondante, et de l'autre côté une absence complète de figure. Et finalement, c'est un peu pour la même raison qu'ils sont au regard de ces deux textes-là, qui sont aussi de très dissemblables. Je n'avais pas pensé, mais c'est assez intéressant en fait. On a parlé des textes de commande, on a parlé des premiers textes. Il y a un autre, versant dans le catalogue du chemin de fer, ce sont les textes patrimoniaux. Textes d'auteurs morts. On n'a pas. Si, le visage vert est là, les spécialistes des auteurs morts. Ypsilon aussi. comment vous travaillez ces textes-là? Déjà, comment vous mettez d'accord pour les sélectionner? Et ensuite, qu'est-ce que ça change dans la démarche? Le premier texte patrimonial, comme tu dis, qu'on a publié, c'était un texte de Violette Leduc qui s'appelle « Je et les dormeurs ». Et c'était très vite, puisque c'était la deuxième saison du chemin de fer. Et c'est un peu la même démarche qui avait guidé le choix des premiers auteurs. C'était vraiment se dire qu'il y avait des auteurs dans le patrimoine, plutôt du XXe siècle, mais qu'on aimait beaucoup et qu'on avait envie de publier aussi. Et c'était plutôt Renaud qui était un grand fan de Violette Leduc. Et en fait, on va travailler en bibliothèque plutôt, on cherche. Et ce texte, Je et les dormeurs, c'était assez, assez passionnant parce qu'en fait, c'était toute une partie d'un manuscrit qui avait été. C'était Simone de Beauvoir qui relisait les manuscrits de Violette Leduc et qui les censurait pas mal. Et donc, c'était toute une partie que Simone de Beauvoir avait supprimée du manuscrit de Ravage et qui avait été publiée dans une revue qui était L'Arbalète dans les années 50 et qui n'avait pas été repris. Et voilà, et on s'est très vite rendu compte, il faut bien le dire, que les auteurs morts se vendent bien. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a tous la même manière de, je pense aussi de regarder en librairie, c'est-à-dire qu'on est souvent attiré par des choses qu'on connaît déjà. Et ça rassure. Ça crée des repères. Ça crée des repères, oui, et donc le Violette Leduc avait très bien marché, et après on a fait un Stieg Dagerman, je me souviens plus, on est pareil dans une revue dans les Lettres Nouvelles de Maurice Nadeau, qui est actuellement, je pense, notre best-seller, d'ailleurs, du rend visite à Newton, et donc on a continué dans cette voie-là aussi, en se disant que c'était la même démarche quand même, c'est-à-dire il y a des auteurs qu'on aime beaucoup, et voilà, qu'on a envie de publier, donc chercher un texte, aller en bibliothèque, dépouiller les revues, c'est aussi une autre manière de travailler. Et par exemple, Louis-René Desforêts, moi c'est un auteur que, donc le jeune homme que tu as lu, Bengali. Voilà, commençons par la fin, ce qui vient de sortir, donc comment il est. Moi c'est vraiment un auteur très important pour moi, dans mes études et dans mon approche de lecteur, et Desforêts, il a publié 10 livres dans sa vie, donc j'ai même pas imaginé un jour que je publierais un texte de Desforêts, quoi. J'ai trouvé le jeune homme qu'on surnommait Bengali, en fait ça avait été repris au début des années 90 dans les cahiers du temps qu'il fait, il y avait un numéro spécial Desforêts, et voilà, mais je m'étais dit, de toute façon c'est même pas la peine d'essayer, et puis à un moment je me suis dit, bon, ouais, quand même je vais essayer, on sait jamais, quoi. J'ai contacté le fils de Desforêts. D'abord, justement, les cahiers du temps qu'il fait. Il m'a dit, mais Desforêts ne voulait pas republier ce texte. Parce que ce qui est très particulier avec Bengali, c'est que c'est le premier texte de Desforêts. Et je ne sais pas si vous connaissez Louis-René Desforêts, c'est l'auteur du Bavard, d'Ostinato, de livres très importants qui ont beaucoup influencé
plein d'auteurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il y a Blanchot qui a développé au début des années 60 tout un mythe sur l'écrivain du silence, etc., autour de Desforest, parce qu'il a très peu publié. Il a arrêté de publier pendant 20 ans. En fait, on sait maintenant que c'était quand même plus par rapport à sa fille qui est morte. Et ça a été un... Enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout ce mythe du silence qui a été développé autour de Desforest par plein de gens, et que Desforest, ça lui plaisait plutôt, en fait, cette idée du mythe du silence. Et en fait, donc, ce texte, il ne voulait pas trop le rééditer parce que c'est son premier texte. Et d'emblée, ça va à l'encontre quand même de tout ce qui avait été développé, puisque la parole... est plutôt bienfaisante dans le texte, puisqu'en fait, ce jeune Bengali qui arrive dans la cellule, au départ, le narrateur va en faire son souffre-douleur, mais petit à petit, par la parole, il va se développer une relation plutôt fraternelle ou de père à fils, je ne sais pas exactement. Mais du coup, la parole est plutôt bénéfique, et à la fin, je vous raconte la fin, mais ce n'est pas très important, ce n'est pas le plus important dans le texte, on va retirer Bengali, évidemment, tout cet univers que s'était créé le narrateur de solitude qui avait été cassée par l'avenue de Bengali, d'un coup c'est son monde qui s'écroule aussi. Et tout ça pour dire, donc bref, j'ai contacté le fils Desforest et en fait ce qui était génial, c'est qu'il m'a répondu en disant, on a une amie qui s'appelle Frédéric Lutz qui est artiste, si ça vous intéresse de faire le livre avec elle, je suis d'accord. Et il se trouve que Frédéric Lutz, on l'avait rencontré plusieurs fois, elle était venue nous voir, on aimait beaucoup son travail, mais on ne trouvait pas de texte justement qui correspondait à son travail. Et du coup, là, c'est ce que disait Renaud au départ, il s'est créé une sorte d'évidence qui était géniale. Du coup, j'ai publié un texte de Desforest. Et on a fait un projet avec Frédéric, et elle avait très envie de faire. Voilà. Vous avez un petit planning de publication à paraître, dont on parlera plus tard sur au niveau des textes patrimoniaux, justement. Vous avez publié 3 textes de Béatrix Beck, l'auteur qui est principalement connu pour Léon Morin prêtre, et qui a connu un Goncourt et une adaptation filmique, c'est Melville, je crois. Oui, avec Belmondo et Emmanuel Riva. Alors ça, c'est... Béatrix Beck, en fait, je ne connaissais pas, et j'ai découvert ça par un auteur qu'on a publié en 2008, je crois, qui est Dominique Fabre, qui est un grand admirateur de Béatrix Beck. Alors je dis Béatrix parce que c'est plus facile, mais il faut dire Béatrix. Mais voilà. Et donc il m'a dit, il faut absolument que tu lises, c'est génial, et j'ai lu un texte qui s'appelle La décharge de Beck, qui est un roman... époustouflant et pas du tout l'image de Léon Morin prêtre, parce que donc, si vous avez entendu parler de Léon Morin prêtre, c'est un peu cette image mystique, religion, etc., qu'il n'y a pas vraiment dans Léon Morin prêtre, mais c'est l'idée que ça donne, alors que Beck c'est complètement déjanté, complètement amoral, et je suis vraiment tombé complètement amoureux de son œuvre. Et il se trouve qu'elle est si peu connue aujourd'hui que là, pour le coup, c'est pas Desforest, les textes de Beck à rééditer, il y en avait. On a commencé par L'épouvante, l'émerveillement, qui est en fait un texte qui date, un court roman qui date de 76, une petite fille qui se raconte de 2 mois à 13 ans. Et après, on a publié Coucoupé, court toujours, qui est le roman juste avant de 67. Et en fait, qui... entre 67 et 76, elle n'a rien publié. Et c'est vraiment en fait les deux livres charnières de l'œuvre de Beck. Je peux parler très longtemps de Beck, donc il faudra m'arrêter. C'est encore deux ouvrages sur lesquels il y a un énorme travail sur le langage et sur... Ah ben là, pour le coup... Je l'ai commencé par le premier. Non, mais sur L'épouvante, l'émerveillement, c'est la biographie de la petite fille... De Béatrix Beck, de 2 à 13 ans, je crois. De 2 mois à 13 ans. C'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas seulement Béatrix, sa petite-fille, c'est aussi un peu sa fille, mais on retrouve... Béatrix Beck a toujours écrit des textes très autobiographiques. Et effectivement, en fait, son idée de départ, quand elle a écrit L'épouvante, l'émerveillement, c'était vraiment de commencer à faire parler un enfant... à 2 mois, c'est-à-dire de le faire parler, mais de décrire. Elle parle à la première personne, l'enfant Pamela parle à la première personne, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant dès le départ? Et ça s'arrête à 13 ans, ça s'appelle L'épouvante, l'émerveillement, parce qu'en fait,
à 13 ans, à un moment, il y a un dialogue avec sa mère et sa mère lui demande est-ce qu'elle est amoureuse de ce garçon ou je ne sais plus exactement. Et la petite fille commence à répondre je ne sais pas, je ne suis pas sûre, etc. Et donc le livre s'arrête pile là parce que c'est plus l'enfance, c'est plus l'épouvante, l'émerveillement. D'un coup, ça devient, parce qu'on est tous arrivés à l'âge adulte, adolescent, c'est un entre-deux où on n'a plus des réactions complètement tranchées. Et donc il y avait, oui, dans l'épouvante et l'émerveillement, cette idée géniale qui était d'essayer de faire parler un enfant, enfin un enfant, de donner la parole à un narrateur qui est un enfant dès 2 mois, quoi, ce qui est une gageure. J'étais très sceptique au début de la lecture, parce que ce genre d'exercice est effectivement très casse-gueule, et au final, c'est un texte formidable, parce qu'elle parle comme un enfant. C'est pas une représentation d'un enfant, c'est pas une enfance fantasmée, c'est quelque chose, surtout dans la période plus jeune, c'est difficile, mais en remobilisant les souvenirs sur les 10-13 ans, la manière dont viennent les idées, c'est tellement naturel dans le déroulé que mais ça semble très vraisemblable. Je crois que Béatrix Beck, qui est morte très vieille, hein, elle est morte à 94 ans, je crois, en 2008, mais c'était encore une enfant, quoi, dans sa manière d'écrire, dans sa manière d'être. À la fin de sa vie, elle faisait parler des gargouilles. Elle est restée, c'est ce qui est fascinant dans son œuvre, c'est qu'il y a vraiment cette innocence et cette perversité de l'enfance. Je ne sais pas comment dire, mais c'est les deux en même temps. Donc, finalement, elle est surtout complètement passionnée par l'écoute des parlers populaires et des parlers autres que littéraires, et donc elle était très très dans la... C'est l'enfance, mais ça peut être la plus anonyme. Oui, elle a publié un livre qui s'appelle L'enfant chat, où elle fait parler un chat. Voilà. Donc Beck, 3 titres déjà sortis. Alors il y a donc L'épouvante, Coupé, un tout petit texte donc, parce que, qui est très différent, qui s'appelle Gide, Sartre et quelques autres. Où ça a été aussi la dernière secrétaire d'André Gide. Donc elle raconte les 2 années dans ce texte qu'elle a passé avec Gide, qui était très vieux, un peu gâteux. Enfin, il y a des très beaux passages, pas gâteux, mais où il lui dit, donc elle tapait ses textes, il dit surtout vous me prévenez si l'écriture baisse, etc. Elle dit mais je pouvais pas le prévenir quand même. Et donc en fait, entre Coupé en 67, qui est un vrai échec littéraire, donc elle est virée de chez Gallimard, aussi parce que juste avant, elle a démissionné du jury du prix Femina, où Gallimard a eu le prix, mais pour un livre qu'elle jugeait antisémite, et ça n'a pas plu du tout à Gallimard, évidemment, puisque c'était à la fois son éditeur, et elle démissionnait pour dire qu'elle était désapprouvée de livre. Et en 76, L'épouvante, l'émerveillement, il y a 10 ans de silence éditorial, dans lequel elle a fait plein de choses, elle a écrit un nouveau roman, du nouveau roman qui a été refusé par Gallimard, qui a disparu aujourd'hui. On a quelques bribes, on a retrouvé dans ses archives. Et aussi, elle a écrit beaucoup de poésie. Alors, très paradoxalement, en fait, donc il y a ce côté nouveau roman et les poésies qui sont plus proches de l'Oulipo. En fait, elle les avait envoyées à Queneau, c'est par Queneau que c'est passé. Une toute petite partie a été publiée en Belgique. Et dans un article que j'avais lu, elle disait à la fin de sa vie que quand elle serait morte, on retrouverait dans ses archives un recueil de poésie prêt à être publié. Et quand je suis allé défricher ses archives avec sa petite fille, en fait, parce qu'on s'est rencontrés du coup, et voilà, on a retrouvé effectivement ce recueil qui s'appelle Entre le marteau et l'écume, et qu'on va publier en juin. Et en fait, on va faire les poésies complètes, du coup, puisqu'il y a ce recueil. Il y avait la plaquette publiée en Belgique, et puis on a retrouvé aussi d'autres poèmes, on a retrouvé des poèmes parus en revue, etc. Donc ça, c'est le prochain Béatrix Beck. À côté de ça, vous avez publié une petite brochure biographique sur la vie de Béatrix Beck, comme bonus un peu. Et au final, ça devient quelque chose de très important à lire si on veut rentrer encore plus loin dans l'œuvre de Beck. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Moi, je l'ai lu en prémisse, et ça éclaire les textes. Il y a effectivement une forte inspiration autobiographique. Il y a une histoire familiale assez tragique entre la grand-mère, la mère et la fille, et puis même l'arrière-grand-père Christian Beck, qui est un surréaliste belge, ami de Gilles. Pas surréaliste, plutôt pas, métaphysique. Métaphysicien. Oui. Oui, non, mais la Beck a eu une vie absolument terrible, en fait. Son père est mort quand elle avait 2 ans.
Sa mère s'est suicidée un mois après son mariage, son mari est mort 2 ans après, tué à la guerre, mais en fait d'un coup de mousqueton qui n'avait rien à voir avec la guerre. Elle se retrouve toute seule avec son enfant. Donc son mari était juif, son enfant de demi-juif, donc elle doit se cacher pendant la guerre. Elle fait des ménages, elle travaille dans des usines. Enfin, et ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'avec ce matériau-là, elle fait des livres qui sont drôles, qui sont... c'est pas du tout... ça pourrait être du Zola, quoi. Et non, c'est... C'est vrai qu'elle ne fait pas que frôler la misère. Une grande partie de sa vie est misérable. Même jusqu'à la fin, elle... vivait à la fin de sa vie dans une maison à la campagne, mais bon, c'était... elle avait gardé d'ailleurs... Il y a un très beau passage dans un film d'Alain Cavalier où elle filme... il l'a choisi pour l'écrivain, et elle montre, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, elle gardait toutes les feuilles, les enveloppes, les boîtes de croquettes pour chat qu'elle dépliait. C'est là-dessus qu'elle écrivait ses manuscrits. Ça donne parfois, pour un texte de 100 pages, un manuscrit épais comme ça, qui est une page écrite sur une enveloppe dépliée, la deuxième page écrite sur la boîte de croquettes pour chat. C'est très pratique, du coup, pour les poésies, parce qu'on a pu dater certaines poésies, parce que c'était au dos d'une enveloppe avec le tampon de la poste, etc. Mais elle a gardé jusqu'à la fin de sa vie, je pense... ces choses de la pauvreté et de la misère qui l'avaient accompagnée. Et donc les livrets, c'est dans les rééditions de textes, on essaie alors soit de faire des postfaces, soit on a fait le livret Beck, on a fait un livret sur Jacques Rigaud et un sur Albertine Sarrazin, parce que c'est des auteurs, on a envie aussi que les lecteurs les découvrent, pas seulement par le livre qu'on publie, mais aussi par toute leur, par leur vie et leur œuvre. Et ils sont souvent un peu oubliés. Enfin, Beck, si vous avez l'occasion, lisez, quoi, c'est génial. Pas seulement les livres du chemin de fer, quoi. D'autres. On va parler d'une autre femme qui a eu une vie assez exceptionnelle, c'est Albertine Sarrazin. Oui, nous on fait toujours un peu dans la misère. Et il y a d'autres liens avec ce soir, puisque c'est encore une histoire qui se passe en tôle, Bibiche. Oui, normalement on devait publier Bibiche et des forêts en même temps, mais c'était deux histoires de prison, et on s'est dit qu'on va appeler les libraires pour leur dire on a deux textes qui se passent en prison, etc. Et on s'est dit non, c'est pas possible, donc c'est pour ça que ça a été... Et alors Albertine Sarrazin, tu veux parler d'Albertine? Non, non, peut-être. Alors Albertine Sarrazin, pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'auteur de 3 romans qui ont été publiés chez Pauvert dans les années 60, La Cavale, l'Astragale et La Traversière, et qui ont été des énormes succès de librairie. Et il se trouve qu'Albertine a une vie qui est absolument horrible, puisqu'elle a été abandonnée à sa naissance, adoptée par un couple de vieux qui ne l'ont jamais comprise. Elle a été violée à 11 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore après? Donc elle a commencé à faire des conneries, etc. Ses parents, plutôt que d'essayer de la comprendre, l'ont tout de suite mis en maison de correction, d'où elle s'est évadée. Elle est allée à Paris, elle s'est prostituée, et à un moment, elle a dit « je vais braquer des magasins plutôt que de me prostituer ». Elle en braque un, elle a été arrêtée tout de suite, et elle va passer 10 ans de sa vie en prison. Elle s'évade de prison, d'où son roman « L'Astragale », puisqu'elle se casse l'os du pied, en fait, qui est l'Astragale sautant du mur. Elle est recueillie par un malfrat qui s'appelle Julien, dont elle tombe complètement amoureuse. C'est Julien Sarrazin qui deviendra son mari. Ils se marient alors qu'ils sont tous les deux en prison, etc. Et en 65, elle sort de prison. Elle a écrit donc ses deux premiers romans. Et elle l'envoie chez Gallimard, chez Pauvert. Pauvert répond qu'il veut publier les deux tout de suite. Gallimard répond qu'il veut publier aussi. Elle choisit Pauvert, finalement, qui était le premier à avoir répondu. Et en 67, elle se fait opérer du rein et elle meurt, elle ne se réveille pas de l'anesthésie. Et jusqu'au bout, ça va être... c'est la première fois en France qu'un médecin sera reconnu d'erreur médicale pour à cause d'Albertine Sarrazin. Ça se passe, elle a 30 ans, en fait. Et elle est morte à 30 ans. Voilà. Et elle a écrit très peu, mais elle a inventé une langue. Alors, elle était, c'était une très bonne élève, malgré son parcours. Donc, elle a un français très classique, mais qui est complètement mêlé d'argot, d'anglicisme. Elle a vraiment inventé une langue que moi, je trouve très, très poétique et très inhabituelle, en fait. Et Bibiche, qu'on a publié, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas autobiographique, puisque ces 3 romans étaient vraiment autobiographiques. Elle racontait d'abord... La Cavale, après l'Astragale, la rencontre avec Julien, et La Traversière, c'est le succès, en fait,
jusqu'au moment où elle est éditée. Et Bibiche, c'est une nouvelle, évidemment nourrie complètement de son expérience. C'est une adolescente qui arrive en prison, mais qui n'est pas vraiment autobiographique, parce qu'elle est beaucoup plus bourgeoise que l'était Albertine, cette adolescente qui arrive en prison. Ouais, pour elle, c'est des vacances, quoi. Et en fait, elle va un peu complètement bouleverser le monde qui clôt cette prison à cause justement de son insouciance et de sa méconnaissance des règles et des codes. Et c'est encore un texte très drôle, basé sur quelque part un vécu assez tragique. Oui. Et c'est aussi, je fais le lien tant qu'à faire, un texte qui pose un regard, une perception particulière sur l'univers carcéral, en le rendant presque amusant, en faisant une petite scène de théâtre. Oui, 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 il y a ça. En plus, c'est plusieurs voix, donc il y a une vraie construction, puisque en fait, Bibiche, la gardienne de prison, et l'autre prisonnière qui va un peu la prendre sous son aile, prennent la parole à tour de rôle, et on arrive comme ça à voir le monde de la prison qui va se construire petit à petit sous nos yeux. On va en lire un extrait. Donc là où nous commençons, on a déjà eu un premier aperçu de la situation de Bibiche par la directrice de la prison pour femmes. Et Bibiche va donner son point de vue sur la manière dont elle voit son incarcération. Ma petite Dufour, ma grande, quel plaisir! J'ai eu un peu de mal à te reconnaître, j'avoue, quand tu es venue pour arracher Johnny et compagnie. Je t'en veux pas du tout. Je me doute bien que tu es en service commandé. Mais ce que ça te change, cette espèce de turban? Quelle idée! Toi qui es toujours si coquettement chapeautée dehors. Et ce démaquillage? Remarque, moi aussi, au début, avec la Nivea, je me sentais un peu nue. Enfin, ça va. Je m'y habitue. Et puis, c'est très bon de laisser respirer un peu la peau. Mais dis donc, comment faire pour se voir un peu plus longtemps? J'aimerais te parler tranquillement. Un tas de choses à te raconter. Pourquoi je suis ici, etc. Ma mère ne m'avait pas dit que je retrouverais ainsi ma voisine de terrasse, en tout cas ma deville après. Faut dire qu'au parloir, on évite de parler des gens. Comme on ne sait pas ce qui est permis, on discute de tout, excepté de ce qu'on voudrait. Mon père est furibard. Il dit qu'il ne mettra pas les pieds ici. Enfin, il a quand même accepté de voir l'avocat, c'est le principal. Ma mère, elle, tout de suite le photographe et la préfecture pour le permis de visite. Et le lendemain de mon arrestation, elle était là. Il paraît que ça n'a pas été un mince travail, et qu'à la porte, on regarde avec méchance son grand cabas. Pauvre maman, elle m'avait apporté à manger, elle croit qu'on est au pain sec. Je lui ai dit de m'apporter plutôt du linge. La gardienne m'a pris mon porte-jartel et mon soutien-gorge, en disant que les baleines sont interdites. Je savais, j'ai vu quelque part qu'on peut faire des couteaux avec. Mais tout de même, des couteaux en nylon souple, je te demande un peu. Enfin... J'ai beau redemander toutes les fois que j'aperçois une gardienne inconnue, rien à faire, elles ont dû se passer le mot. Armature égale arme. C'est bon, n'en parlons plus. Dufour, ma chère, à part les bustes prohibés et la souris qui gratte la nuit dans le coin du lavabo, je ne découvre pas grand-chose qui cadre avec l'idée que je me faisais de la prison. Paille humide, pain moisi et tous les clichés connus. Cette aventure, au fond, ne me déplaît pas. S'il n'y avait pas les autres, et ma mère qui passe les parloirs à pleurer, et aussi le fait qu'on est un peu seul, je prendrais cela comme des vacances. Mais l'avocat va me faire sortir. Une liberté provisoire, dit-il. La tête qu'ils vont faire au lycée. Peut-être refuseront-ils de me reprendre. Enfin, de toute façon, je reviendrai bientôt. L'avocat dit qu'il faut réintégrer la veille du jugement. Je te jure que cette fois, je m'équiperai. Ah, Dufour, c'est curieux de t'appeler par ton nom. Je veux vivre à la Taularde. Tu comprends, au cas où je sortirai avant de t'avoir revu, dis-moi si tu as des commissions pour l'extérieur, si tu veux que je téléphone, si tu as besoin de quelque chose, etc. Je serai heureuse de te lire. Tu n'as qu'à me faire passer par la dame qui fait le ménage, c'est à elle que je vais demander pour cette lettre-ci. J'ai confiance. Elle a l'air très aimable et très discrète. Chaque matin, elle me fait un brin de causette à travers la porte. Ça remonte le moral. Dommage que je puisse lui cantiner du tabac. C'est ce qui lui ferait le plus plaisir, je crois. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait connaissance. Elle m'a demandé si j'étais fumeuse. J'ai dit non, pour voir. Alors elle m'a proposé de racheter ma ration contre des vivres, ou ce que je voudrais. Tu penses bien que j'ai refusé? Je suis pas une profiteuse. Je lui ai dit, d'accord, mais je ne veux rien en échange. Et elle en était encore à me remercier quand la surveillante est arrivée avec les listes de cantine. C'était justement le jour des pipes et j'étais déjà heureuse, mais elle m'a scié les pattes. Les mineurs n'ont pas droit au tabac.
J'ai expliqué le lendemain à la fille qu'il fallait attendre encore un peu, mais que dans 3 ans et demi, je me ferai un plaisir. Enfin, d'ici là, je suis condamné à dépenser ma pension. Et c'est difficile. Ma mère ne cesse de m'envoyer des mandats en journaux et nourriture uniquement. J'espère qu'en plaisantant ainsi, je ne porte pas malheur. 3 ans et demi là-dedans, autant se filer tout de suite un coup de couteau nylon. Puis je sortirai, ma vie finie, aussi bien. Pour moi, c'est la jeunesse qui est la vie. Oh, pardon, Dufour, t'as au moins 30 ans? Mais moi, que veux-tu? J'ai tellement vécu déjà. Bon, je te parlais de ma cantine. Vois-tu, il me reste tout de même à découvrir bien des choses, quoi que j'en dise. Par exemple, le sens de ces listes m'échappait en partie. Comment deviner que l'accidentelle, c'est l'ensemble des objets de toilette, papier à lettres, etc. Que si tu commandes une crème sandwich, on t'apporte une boîte de pâté pur porc à 40 centimes. Pour écœurer le monde, je dis, marquez donc toute la liste, avec la même intonation que « gardez tout, garçon ». Tu vois un peu. Eh bien, loin de sembler écœurée, la gardienne marque tout, sauf le moindre étonnement. Quant aux filles d'étage, c'est à croire qu'elle touche un pourcentage. Elle m'apporte les boîtes et les paquets avec un grand sourire, et plus il y a de choses, plus il y a de porteuses. Ça me fait des visites. Au début, je croyais que ces personnes faisaient partie du personnel de la prison. J'étais fort surpris de constater que des prisonnières comme toi et moi pouvaient aller et venir dans les couloirs en toute liberté, sans gardienne, du matin au soir. Dufour, ce n'est pas juste. Pourquoi nous laisse-t-on enfermer, nous? Est-ce parce qu'elles travaillent? Dans ce cas, je veux bien travailler aussi. Moi, je ne sais pas faire grand-chose, mais j'apprendrai. Ça ne doit pas être sorcier. Et j'aurai ainsi de l'air. Ce que je puis manquer d'air ici, au sens propre, évidemment, pour respirer, je dois grimper sur le dossier de ma chaise et coincer mon nez dans la fente du vasistas. Autrement, j'étouffe. Une chance d'avoir pu déceler la chaise. J'y ai passé toute une matinée avec le manche de la cuillère. Pour que ça ait l'air ancien, j'ai colmaté le mur avec les débris de plâtre amalgamés avec de la mie de pain. La mie est en train de moisir, ça fait une grosse tache sous ma table et de plus en plus large. Je crois que je vais tout enlever et laisser le trou. Aussi bien, il y a un tel bazar dans ma cellule que les gardiennes ont renoncé à y regarder de trop près. Oui, la prison peut bien pourrir, c'est pas moi qui lèverai l'auriculaire. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, donnant. J'astique la prison, mais on laisse ma porte ouverte. À qui faut-il s'adresser? J'ai vu un surveillant l'autre jour pour une affaire de lettres, un galonné. Mais j'avoue qu'on a parlé de toute autre chose. Oh, et puis, tant pis. Un beau jour, je vais grimper carrément et m'installer sur le vasistas, et les gardiens seront bien obligés de me voir. Je crierai « De l'air, de l'air !» À moins que j'ai le trac et que je dégringole, auquel cas j'aurai peut-être la chance de me casser une patte et d'être transférée à l'hôpital. Tu crois pas que ça serait douillé d'attendre mon jugement dans une prison de plâtre? Une prison portative, que je trimballerai avec moi sur des béquilles jusque dans la salle d'audience. Grosse émotion. Dufour, mon vieux, tu as pensé que je divague. Mais non, j'envisage. Que ne ferais-je pas pour circuler un peu? Je me sens poussiéreuse, aussi poussiéreuse que ma cellule. De mon perchoir, là-haut, je la vois s'accumuler sur le placard, cette poussière. Je vois se tisser les toiles d'araignée et se lézarder le plafond. Alors je regarde de l'autre côté, dehors. Et par contraste, le moindre toit, le moindre poteau télégraphique, au-delà du grand mur, me semble propre, neuf, comme verni par le soleil. Je ne m'étais jamais aperçue que notre ville était si jolie. Il faut dire que je ne la voyais pas en perspective avion, ni avec l'optique tolarde. Même, je t'assure, les derniers temps, je ne la voyais plus du tout. Demain, je te raconterai toutes mes conneries. Pour aujourd'hui, je vais te quitter pour aller faire ma cure d'oxygène. Parfois, sais-tu, je vise le lit et, du vasistas, je m'élance sur le tas de couverture. Pouf! Ah, ma grande, je crois que je vais finir par réaliser les craintes de ma mère et me casser la figure pour de bon. Vous ayez lu ce passage où elle parle justement du moment où elle a décelé sa chaise, parce qu'en fait tout le travail d'Annabelle Guédatra qui a fait les dessins, c'est justement, elle a gardé, c'est ce moment-là, et ensuite elle a imaginé une chorégraphie justement de Bibiche avec sa chaise en fait, dans tout le livre. C'est pas une... une coïncidence. Ah. Activité patrimoniale, vous la continuez avec une nouvelle collection, la collection Cheval Vapeur. Ouais. Avec deux titres jusqu'à présent. Il y a un concept derrière cette collection. Renaud, il y a un concept. Oui, il y a un concept de cette collection. Donc, c'est travailler des textes patrimoniaux, en effet, des textes courts, avec plutôt l'idée de brochures,
chose d'un peu plus petit quand même en général encore, donc pour se donner le droit d'avoir des textes un peu tous azimuts. Les deux premiers qu'on a publiés, François va en parler, je ne parlerai que va vous en parler, mais voilà. Et c'est l'idée de travailler non plus avec des plasticiens qui font un travail en regard d'un texte, en résonance d'un texte, mais avec des graphistes à qui on donne carte blanche dans l'espace de la page. Du livre pour interpréter en fait avec le moyen typographique et papier, ses armes à lui, le texte pour en faire un objet, pour en faire un objet qui parle aussi quelque part du texte ou pas du texte. On a parti fort. Et littérairement, donc on a fait deux premiers textes, un Ponsard et un Wakefield. François va en parler parce qu'il parle mieux des textes que moi. En fait, dans cette collection, il y avait l'idée aussi de pouvoir publier des choses, alors parfois plus courtes justement, ou différentes, puisque nous on est très identifiés sur le texte court, mais de fiction. Et là, on a commencé par un poème de Clément Pansard qui s'appelle « Novénaire de l'attente ». Clément Pansard, c'est un dadaïste belge qui est considéré comme les dadaïstes, comme le plus grand dadaïste, mais comme il y a peu de dadaïstes, en fait, personne ne le connaît, en gros, mais... qui a écrit en particulier un texte qui s'appelle « Le pampan cucu au cul d'une nègre », voilà, qui est son poème le plus connu. Et il se trouve que, en fait, là, c'est vraiment par... on a découvert ce texte, en fait, on avait fait une rencontre sur Lord Patchock de Jacques Rigaud dans une librairie, et avec... Marc Dachy, qui est un peu l'un des grands spécialistes du dadaïste, si ce n'est le seul, et il nous avait parlé de ce texte, voilà, qui n'avait jamais été édité, et donc on s'est dit, bah, voilà, on va publier le Novénaire de l'attente, qui est un poème pré-dadaïste, dans lequel, en fait, Ponsard s'adresse à son fils, qui n'est pas encore né, d'où le titre Novénaire de l'attente, c'est en fait les 9 mois de grossesse, et ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est aussi toute l'angoisse de donner naissance à un enfant dans une période qui est quand même pas... si facile que ça. Voilà, et le second texte, c'est un texte de Nathaniel Hawthorne. Vous connaissez peut-être son roman qui s'appelle La lettre écarlate, c'est un auteur américain du 19e siècle. Et là, pareil, en fait, Wakefield, c'était il y a très longtemps, puisque c'était en 2007, je pense, on faisait un salon à Fort-Calquier, et il y avait Nathalie Quintane qui m'avait parlé de ce texte, Wakefield. Elle m'avait dit, il faut absolument l'éditer, c'est génial, etc. Et en fait, c'était trop court pour faire un livre dans notre collection. Et donc, quand on a lancé Cheval Vapeur, on a publié ce Wakefield, qui est un peu le pendant de Bartleby. Melville et Hawthorne étaient très amis. Et, enfin, pas très longtemps, en fait, ils sont vite plus amis, mais au départ, enfin, Moby Dick est dédié à Hawthorne, par exemple. Et bref, Wakefield, c'est l'histoire d'un homme qui part un soir de chez lui en disant à sa femme, je reviens la semaine prochaine. Et en fait, il loue un appartement dans la rue d'à côté, il y reste 20 ans. À regarder vivre sa femme. Au départ, il reste un peu plus longtemps parce qu'il se dit bah, elle n'est pas encore trop triste, etc. Finalement, il reste 20 ans. Au bout de 20 ans, un jour, il passe devant la maison de sa femme, il pleut, il se dit bah, c'est quand même con de rester dans la rue alors qu'il pleut, et il rentre chez sa femme en disant « Salut, c'est moi ». En gros, c'est ça l'histoire de Wakefield. Évidemment, ce n'est pas l'histoire qui est importante, mais c'est un peu comme dans Bartleby, c'est comment un homme ordinaire peut basculer dans une folie absolument incompréhensible, et en même temps quelque chose dont on peut tous avoir envie, c'est-à-dire s'extraire de chez soi pour regarder vivre sa famille de l'extérieur et voir comment ils vivent, comment ils pensent à nous, etc., quand on n'est pas là. Non, c'est parfait. Et voilà, et chez enfin, Wakefield, en plus du coup, le travail des graphistes a vraiment été assez intéressant parce que, Mais ils seront à la caisse. Ils ont travaillé à la fois sur un travail de ligature, donc un vrai travail de police, etc. Et aussi sur l'intégration de la version anglaise, en bilingue, qui s'intègre qui rentre dans le texte français petit à petit, comme une note, en fait, comme ils sont intervenus sur la typo, etc., ils voulaient que le lecteur puisse aussi revenir à la version originale pour voir si... Donc deux beaux projets. Qu'est-ce que vous avez en préparation? Là, il y a 4 titres donc, qui sont sortis la semaine dernière. On a parlé de Louis-René Desforêts, il y en a 3 autres. Alors on a publié le texte de Louis-René Desforêts, une nouvelle de Bernard Noël qui s'appelle « Vie d'un immortel ». Et dans la collection « Voiture 547 »,
deux textes. Un texte de Michel Setoma qui s'appelle « Le vent amènera la pluie » et un tout premier texte, là c'est vraiment la première fois qu'il publie un livre, de Christophe Segas qui est « Hors le bourbier ». Voilà. C'est des textes géniaux évidemment, sinon on ne les aurait pas publiés. Merci beaucoup. Pour finir, on va vous faire une dernière petite lecture. On n'a pas eu le temps de parler de Jacques Rigaud. Charge à vous de découvrir par ce petit morceau de texte et puis il y a un petit livret sur et puis il y a un petit livret après, voilà. Alors Lord Patchogue, pour vous la faire rapide, c'est un peu l'alter ego de l'auteur, et Patchogue a la particularité d'être un jour passé à travers un miroir et être rentré dans le monde qui est de l'autre côté, et son double a pris sa place. Donc on va voir comment ça s'est passé. C'est la deuxième partie de l'ouvrage qui s'appelle « Passage dans la glace à Oyster Bay ». Et dans un deuxième temps, Elsa va nous raconter comment il a essayé de ressortir. Je vous en dis pas plus. Il est assis devant une table, occupé à un jeu de patience. Existe-t-il ? Il est entre deux cartes. Puis il est le passage d'une carte vers une autre. C'est en cet instant à quoi est réduit l'univers. 9 de cœur sur 10 de trèfle. C'est fait. Lord Patchogue relève la tête, l'univers se ranime, les comparses dans un autre coin de la pièce mènent grand tapage. Sur le mur opposé, dans un vaste miroir, Lord Patchogue aperçoit son image. « Je vous reconnais, je ne vous prends ni pour une autruche, ni pour un réverbère, ni pour l'ami Charles. Vous êtes l'image de Lord Patchogue, si toutefois vous n'êtes pas Lord Patchogue lui-même. » « Ah, qui de nous deux a bougé le premier? Qui suit l'autre ?» Lord Patchogue s'est levé. Il se considère en pied dans le miroir. 5 sens ne suffisent pas à ses voisins du moment. Ils vont une fois de plus manquer le spectacle. Ils ne sont pas plus préparés à percevoir la proximité d'un mystère qu'ils ne pensent à la mort. Lord Patchogue et son image s'avancent lentement l'un vers l'autre. Ils se considèrent en silence. Ils s'arrêtent. Ils s'inclinent. Quel vertige s'est emparé de Lord Patchogue. Ce fut bref, facile et magique. Le front en avant, Lord Patchogue s'est élancé. La glace heurtée, traversée, vole en éclats, mais lui... Le voici de l'autre côté. Chacun s'est levé. Le merveilleux n'est pas rare. L'incrédulité est plus forte que les miracles. Les miracles ont de la peine à recruter leurs témoins, tant et petit, le nombre de ceux qui sont disposés à donner leur adhésion au surnaturel. Lord Patchogue le premier était mal assuré d'avoir franchi ce pas. Aucun de ceux qui s'empressaient autour de lui ne s'avisa de la surprenante disparition de leur ami. On l'entourait comme s'il était encore présent, on le reconnaissait, on entendait sa voix. Le malaise s'installait cependant. Pourquoi Lord Patchogue ne s'était-il pas plus sérieusement blessé? Cette fine, unique coupure oblique sur le front, c'était insuffisant. On ne traverse pas impunément un miroir. Ce n'était pas dans l'ordre. Chacun se serait senti rassuré. Eût-il pu compter les blessures nombreuses et bien saignantes? À peine une seule personne, celle-là même qui devait officier pendant le reste de la soirée, soupçonnait-elle le caractère fatal du mince filet rouge qui raturait le front du Lord. Un miracle ne voyage pas seul. Il sait ce qu'il se doit et s'accompagne de manifestations accessoires extraordinaires. Pour inconscients qu'ils fussent, les compagnons de Lord Patchogue, même s'ils en sourient aujourd'hui, ne manquèrent pas d'agir singulièrement. Pourquoi Simon ramassa-t-il morceau par morceau la glace brisée qu'il plaçait au fur et à mesure sur un large plateau hâté? Pourquoi, l'opération terminée, porta-t-il avec une gravité qu'accusait déjà plus sensiblement le visage de Lord Patchogue que le sien, son ouvrage, petit montage de cristaux et d'aiguilles, dans la chambre de Muriel, déjà étendu les pieds nus, et le disposa-t-il sur le lit? Pourquoi Muriel commença-t-elle à piétiner les éclats de verre comme on danse, comme on sacrifie? Et pourquoi, surtout malgré sa violence, retira-t-elle ses pieds exempts de toute coupure? Seul saignait imperceptiblement le front de Lord Patchogue, Douglas sortit pour vomir. Le reste priait. Le lendemain, deux ouvriers vinrent remplacer la glace. Quand ils eurent fini le travail, Lord Patchogue avait disparu. Le plan de Lord Patchogue est fait. Tant pis pour le premier qui se présentera. Attente. Enfin, un bruit de pas qui s'approche du chasseur en cage. Il y a quelqu'un dans la chambre. Quelqu'un qui reste éloigné du miroir. Tout de même, l'appel du miroir serait-il en vain? Non. Le voici qui s'avance. Malheur, c'est une femme. C'est de la triche, va-t'en sucré, au suivant. Elles se mirent professionnelles. Désemparée, passif, Lord Patchogue lui renvoie ce qu'elle demande.
Quel amour, quels amants, quel. La jeune fille a de la complaisance. La voici qui passe ses mains sur ses seins. Lord Patchock docilement accompagne ses gestes. Il ne lui faut pas moins que le contact sous ses doigts de deux jeunes globes étrangers pour le rappeler à lui-même. Par-dessus sa chemise, ses doigts restent attachés avec précaution à une gorge de femme. Comme elle respire, il la sent se gonfler. Il apprend sa tiédeur. Pour ajuster son bas, elle découvre une jambe avec cette espèce de précision anonyme que donne la certitude d'être à l'abri de toute surveillance. Lord Patchock, obéissant aux vœux inexprimés, lui accorde une jambe d'amour. Il ne peut y ajouter foi, et ses doigts, avec précaution par-dessus la chemise, restent attachés à une gorge de femme, la sienne, à sa température, soulevée selon sa respiration. Mais alors, la transformation s'arrête-t-elle au buste, ou bien ? Et une inquiétude burlesque saisit Lord Patchock, si impérieuse est la superstition de la virilité qu'au lieu d'espérer l'acquisition d'un nouveau sexe, Lord Patchock, d'un geste hâtif mais exemplaire, s'assure qu'il n'a pas cessé d'être un homme. Comme il s'apprête à respirer, un cri en face de lui. Car hélas, la jeune fille, à son tour passive, pouvait-elle faire moins que reproduire le geste de Lord Patchock ? Et quelle découverte ! Des attributs que seul le mariage devait lui dénoncer. Elle a beau s'enfuir, la malheureuse, vers quel rêve ? Merci beaucoup.